petite présentation du, du dernier volet en fait des publications et des accompagnements que le que le programme que j'ai dirigé euh, euh, et que j'ai mené aussi euh, donc euh, depuis euh, 2018 a euh, euh, publié euh, depuis qu'il est euh, depuis qu'il a commencé euh, donc c'est un petit peu euh, dernier volet dans la logique un peu de ce qu'on de ce qu'on qu découvre à chaque fois que euh, on a euh, comme ça organisé un événement ou euh, publier une publier, fait une pub publication euh, je vous rappelle donc qu'en 2018, on publie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce recueil ce rapport ce livre blanc droit des imageurs de la ré société donc qui fait état d'une situation qui ensuite a servi de là aussi de de base et de pont au rapport plus récent sur l'open content en France mais l'open content ce qui est intéressant dans ce premier rapport en 2018 était une solution apportée à, à des problèmes n'était pas encore une c'était on, on citait beaucoup de modèles de modèles étrangers peu de modèles français il y en avait peu il y avait le, le, évidemment l'incontournable musée de Bretagne le musée de Saint-Raymond, mais euh, on n'était pas encore euh, dans une, une dynamique vraiment forte en France là-dessus. Donc, on, on a cité beaucoup de modèles étrangers, on a fait un peu un historique aussi de ce qui avait commencé dans les années 2010 euh, comme Open Content euh, dans les institutions euh, internationales. Donc, c'était une sorte de, de marqueur d'une du, époque, mais en même temps, euh, c'est euh, quelque chose qui aujourd'hui est étudié par des étudiants en histoire de l'art. Je, je, je m'en suis rendu compte, donc c'est assez intéressant. Tout de même, euh, on a continué en 2021 en publiant ce petit guide pratique rédigé avec Johanna Daniel, euh, qui avait participé aussi, hein, comme vous l'avez vu dans le, dans le casting au premier, euh, au premier rapport, euh, parce que on s'était rendu compte que euh, on s'est rendu compte de la grande confusion qui régnait euh, auprès des chercheurs, euh, des, des étudiants, euh, de tous les gens qui voulaient utiliser des images patrimoniales sur ce que c'était qu'un copyright, sur ce que c'était que des droits d'image, sur ce que c'était que des tarifs par rapport à des droits, etc. Il il y avait vraiment. Euh, et les gens, la plupart du temps, trouvaient ça tellement compliqué que ils s'en désintéressaient, ils contournaient, euh, ils n'utilisaient pas les images, etc. Donc on s'est dit, il faut informer les utilisateurs. Donc on a fait ce petit guide qui est sommaire, hein, qui fait 30 pages, mais qui essaye d'outiller un petit peu euh, les, euh, les euh, chercheurs, les utilisateurs, euh, et également donner quelques pistes peut-être aux institutions aussi pour qu'elles comprennent euh, où sont les, les difficultés. Euh, voilà, qui a été donc publié en format papier. Euh, gratuit distribué ici et mis en ligne alors euh, l'aboutissement de tout cela c'est de se dire que euh, ce qui manquait aussi c'était euh, le constat qui a été fait donc les retours qu'on a eus du, du, du de deuxième, la deuxième publication du petit guide de 2021, c'était bon, les, les chercheurs soutillaient, ils correspondaient avec les institutions, etc. Mais euh, ils nous disaient, mais les institutions ne sont pas euh, au point non plus. Euh, on, a, on a affaire à des réponses qui sont qui semblent pas très informées, qui confondent des choses, etc. Et on s'est dit donc euh, que euh, il fallait euh, cette fois-ci euh, devant l'absence qui est réelle, hein, l'absence d'information euh, sur euh, les bonnes pratiques de la mise en ligne des images, euh, il fallait à nouveau terminer notre rôle, finalement mener jusqu'au bout notre rôle d'information, de sensibilisation, de passeur aussi d'un certain nombre de pratiques qui sont étrangères, hein, qui, qui, qui proviennent de l'international, d'Europe, des États-Unis, etc., euh, pour que les professionnels aient vraiment à leur disposition euh, voilà, un, un ensemble d'informations sur les attentes des usagers, ce qu'on peut proposer comme solution, les bonnes pratiques avérées et reconnues dans la matière, etc. Donc, ce euh, recueil de bonnes pratiques... Pratique pour la diffusion en ligne des images patrimoniales, qui a un titre un peu long, mais euh, on n'a pas trouvé d'acronyme <laughs>, satisfaisant, que euh, qui a été coécrit avec Damien Peterman, de l'université de Lyon 3, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc je présente aussi en son nom, euh, qui va être mis en ligne. Il y aura seulement un format numérique euh, à la rentrée en septembre, et puis il y aura une journée en novembre pour le présenter intégralement, le discuter avec des spécialistes de l'ouverture des contenus. Euh, donc c'est euh, un appui à l'harmonisation des pratiques de diffusion par les institutions. C'est vrai qu'on se rend compte que chacun fait ses choix, mais que c'est important aussi d'avoir des modèles communs qui peuvent, bon, outre des instructions qui sont par exemple dispensées par le ministère de la Culture, par le service d'innovation numérique sur son site, qui donne quand même des conseils, etc. Mais il y a aussi des choses très simples qui peuvent être faites, qui, qui doivent être rappelées. Une démarche très graduée qui part du point de vue de l'utilisateur, de son accès à l'interface, des modes de recherche, des modes de signalisation, des modes d'obtention des images. Euh, L'open content n'est pas le, le, sujet, le sujet unique ni ultime de, euh, cette, de ce document, mais euh, il sous-tend en réalité son, sa présence, sous-tend euh, l'ensemble euh, des euh, processus qu'on décrit et des bonnes pratiques que qu'on qu'on décrit aussi. Et puis, euh, comme je suis intéressée par ça, comme un certain nombre d'autres gens, des, des, du monde des musées, on a donné aussi des aperçus du rôle des images et du rôle de la diffusion des images dans des questions hyper actuelles de société ou de politique auxquelles sont confrontées les institutions culturelles, euh, les questions de provenance, de propriété culturelle, euh, de restitution également. Hein, la documentation imagée, ça déjà, déjà, ça pose des problèmes, on, ça pose des questions. Euh, par exemple, pour les objets bénins à l'heure actuelle, euh, l'intelligence artificielle, comment... Comment est-elle utilisée, les NFT, l'accessibilité, la sobriété énergétique, bref, tout ce que les musées affrontent dans la vie réelle, je veux dire les musées ou les autres institutions culturelles, dans la vie réelle euh, actuellement, et le numérique évidemment, et les images ont leur part, portent leur part d'action également dans ce domaine. Donc voici un aperçu du plan, je vais assez vite, connaître les utilisateurs, les les pratiques, donner accès aux images, c'est tout ce qui est interface, euh, le filtre de recherche, etc. L'information sur les conditions d'utilisation des images, qui est pour nous une base absolue, euh, il faut qu'elle soit absolument simple euh, et compréhensible à l'utilisateur, parce que sinon c'est extrêmement chronophage et il y a même des gens qui se découragent, euh, on ne pense jamais assez aux étrangers. Aux gens qui ont des difficultés de lecture, aux gens qui ont des difficultés de cognitives, etc., dans les conditions d'utilisation d'une image. Euh, favoriser la recherche et l'usage scientifique, c'est la question de la science ouverte, notamment, la, fa la façon dont la science aujourd'hui, dont la recherche aujourd'hui se sert des images. Alors, élargir le champ des images, faciliter le partage et la réutilisation, ça c'est tout ce qui concerne l'open content. Vous voyez qu'on n'avait pas mis le, le terme parce que, euh, il s'agit, comme je disais, de se mettre dans une progression et non pas de faire du militantisme pour l'open content, ce qui serait très bien, je l'ai fait pendant longtemps, mais euh, montrer que finalement, dans toutes ces bonnes pratiques, le faisceau le plus dense de bonnes pratiques, il est dans l'open content. Euh, nouvelles éthiques, nouvelles pratiques, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Et euh, un petit paragraphe sur les images lucratives, les NFT, vendre les images, hein, comme par exemple euh, le gouvernement italien a tenté de le faire ces derniers temps, euh, promesse ou chimère. Que rapportent les images qu'on vend euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Je passe très vite sur les exemples, parce que, comme vous voyez, on a des exemples euh, étrangers, de, 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 de sites, d'institutions qui sont d'ailleurs positionnés depuis longtemps dans l'open content, comme l'AIL, University Art Gallery. Les bonnes pratiques d'information, de signalement des images, de recherche des images, vont avec aussi une politique, très, très souvent, d'ouverture des images. C'est inclus dedans. Euh, des informations claires et immédiatement accessibles. Euh, le, le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande, là aussi un, un modèle euh, pour euh, la façon dont il pose les régimes d'image dès qu'on arrive sur le site. Euh, la qualité des images, en ce qu'elle Damien euh, a beaucoup travaillé, euh, et euh, je passe aussi rapidement. Euh, si ça vous intéresse, je vous donnerai le PowerPoint avant le avant la publication du euh, du recueil en septembre. En septembre mais euh, Damien a beaucoup travaillé sur la. la par exemple, les, types de, les différents types de facettes qu'il euh, euh, qu il, qu il complétera par un billet sur le site de Numera. Euh, comment affiner les résultats, comment proposer des affinages de résultats euh, au mieux. Il a travaillé aussi sur la définition des images. Euh, Qu'est-ce qu'une image en basse résolution, en moyenne résolution, en haute résolution euh, Vous voyez ici quelques exemples de, euh, des, des sujets qui... Qu'il traite, quels sont les, les, les filtres, quelles sont les indications à donner à l'utilisateur. Euh, on explique, on parle et on explique bien entendu de 3, du, du protocole 3 f euh, Comment garantir la, la qualité des reproductions pour éviter le Yellow Migma syndrome, qui est ce syndrome de, de différence de, 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 color, de couleur des images publiées sur le net. Et puis, il y a un, un, il y a un paragraphe où il parle d'un peu des gigapixels et de ce que, ça, ce que ça représente en fait par rapport à l'open content. Euh, des images qui sont souvent sous vert, euh, donc qui sont euh, très consultables mais pas euh, réutilisables. Euh, moi, j'ai parlé pas mal d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé, qui a d'ailleurs été pris en main par l'INHA ces derniers temps, l'accessibilité numérique des sites culturels, avec notamment la question de la description des images. Vous avez sur les, les réseaux sociaux maintenant on a des facultés, on a des possibilités de décrire les images et euh, un certain nombre de musées américains pour le coup à l'heure actuelle réfléchissent euh, à la à cette fameuse description des images qui doit euh, se faire selon un certain nombre de règles même si on est assez libre en fait dans ce qu'on veut transmettre. Et notamment le Cooper Hewitt Museum qui a publié un guide en ligne euh, qui fait partie alors de tout ce qu'on vous donne comme ressources dans ce dans ce dans ce texte. Il y a une partie ressources qui est assez importante avec des liens euh, à tous les tous les sites qui peuvent servir de, de repère pour les bonnes pratiques. Voilà, j'ai terminé euh, et je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je vais laisser la place à, à Johanna, euh, Daniel euh, et à d'autres sujets. Je vous remercie donc et puis on pourra discuter si vous avez des questions mais je le répète, le, le document paraît en, en septembre et euh, sera annoncé dûment. Voilà.